Bah alors l'inscription est pas très chère, hein, c'est 600 € l'année. Enfin, c'est une école publique, donc les frais d'inscription sont de 600. Moi, je paye 4 € parce que je suis boursière. Et sinon, après, on a de l'argent par atelier, donc pour acheter du matériel, c'est bien. Je sais que nous, en photo, on achète tout ce qui est papier, donc on paye pas l'encre des impressions non plus, donc ça nous fait les tirages sont tous gratuits en fait. Voilà, il y a une base de prêt pour tout ce qui est appareil photo, caméra, ordinateur. Il y a un peu tout à disposition, donc il y a moyen de se débrouiller en tout cas en photo. Mais après, c'est vrai qu'en sculpture, c'est pareil. Ça peut être en sculpture, ça peut être des sacrées sommes, quoi, parce qu'ils n'arrivent pas forcément à se mettre d'accord sur ce qu'ils veulent acheter dans l'atelier. En peinture, c'est pareil. Ils vont acheter de la toile et des châssis, mais après, toute la peinture, c'est un peu personnel. Donc bon, c'est vrai que ça revient en matériel, ça revient cher, puis c'est des trucs sur lesquels on fait pas de concession, quoi. Donc voilà, si on veut contrecoller des photos sur des plaques d'aluminium, bah c'est voilà. Après, elle fait 3 mètres, bah tant pis, hein. Mais bon, c'est débrouille, ça va.